Nous sommes ici dans l'assemblée kimbanguiste, dans la paroisse kimbanguiste du Traite. Et comme nous le savons, la deuxième partie, nous avons commencé. Mais nous les kimbanguistes, là où nous nous réunissons, nous commençons toujours par nos slogans. C'est pour cela que nous vous invitons à suivre comment nous prononçons ces slogans. Kimbanguisme, oyez! Oyez! Kimbanguisme, oyez! Kimbanguisme, oyez! Maman Mathieu et Papa Jules, c'est la raison pour laquelle nous, nos soeurs, ses frères, nous sommes venus ici pour le mariage religieux de Maman Mathieu et Papa Jules. Autorisé par mon mot et de ma femme là, ici, dans mon
makanisa na libomba na biso tozali na chaque fin ya cérémonie tokoremetaka brevet oyo lingoloba ete moninga asalaki mosala na ye malamu amemi yango akomisi yango mpe na suka moninga azwi papier ya bonzambe
Pesi bine ango, na komisato ya bule, ya tata mwana, tata mwani mwosantu. Papa Silva zwa, ezali eloko omelite. Nasi sinanga wana komisato ya bule, tata mwana mwani mwosantu. Amen. Amen. Papa Simon Kimba Mukyangani, oye! Oh yeah!
Pour nos invités qui ne comprennent pas ce langage-là, je vais faire un petit détail. Papa Simon Kimba Moukia n'a ni oïe. Nous avons dit trois fois. Papa Simon Kimba Moukia n'a ni oïe. C'est le chef spirituel actuel de l'église kimbangiste. Et le premier chef spirituel fut Simon Kimbangu, qui est mort en 1951. Mais le jour de sa mort, en 1951, est né l'actuel chef spirituel Simon Kimbangu Kiangé. Et donc, dans ce slogan, nous confirmons que c'est lui le Saint-Esprit que le monde attend jusqu'aujourd'hui. Ce n'est que la signification de ce slogan-là. Donc c'était en bref cette signification-là. Donc Simon Kimba Mukiangani, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Le slogan, dans le slogan, nous insistons que tu ne veilles pas, ce n'est que lui. Ce n'est que lui, et ce n'est que lui. Et qui vivra, verra. Kamba, oye! C'est la ville sainte, c'est là où se trouve le siège de l'église kimbangiste. Oye, 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 Jérusalem Yampa, nouvelle Jérusalem. Il y avait l'ancienne Jérusalem. Et c'est là où repose Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire, c'est la ville. Donc nous commençons toujours par ces trois slogans-là pour les faire savoir au monde. Et enfin, vive les mariés! Vive les mariés! C'est leur grand jour, c'est pour cela qu'il faut les honorer. C'est pour ça que nous disons vive les mariés. Donc, comme je le disais, nous venons de suivre la prédication. À titre de rappel, le pasteur a tiré son message divin du livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 jusqu'à 17. Et ce livre parle des 10 commandements que notre Dieu avait donnés à nos ancêtres, les enfants d'Israël, à travers Moïse. Et le prédicateur a insisté sur l'observance de ces 10 commandements-là. Il a tiré encore son message sur le livre de Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24. Je veux succinctement, parce que s'il faut détailler tout ce que le prédicateur nous a fait connaître aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Et donc dans Genèse, les prédicateurs, si nous retournons chez nous à la maison, pour nous qui sommes déjà mariés, pour ceux qui se sont mariés aujourd'hui, et pour ceux qui se marieront, et c'est là un peu de parcourir ce chapitre-là, nous verrons que Dieu avait raison. Et le prédicateur a insisté sur l'union de notre sœur et de notre frère. Que l'homme quittera la maison de ses parents, la femme quittera aussi la maison de ses parents, ils vont s'unir, pas devant n'importe qui, mais devant Dieu. Le prédicateur l'a insisté, que c'est devant Dieu que les témoins, nous sommes les témoins. Et Dieu est avec eux. Et si nous reculons un peu, le prédicateur a dit,
Personne ne peut désunir ce que Dieu a uni. Donc nous, nous n'avons pas le droit de désunir. Les parents n'ont pas le droit de désunir. Les amis, nous n'avons pas ce droit-là. Parce que nous, spirituellement, c'est Dieu qui vient unir. Et pourquoi nous, nous devons les désunir? Et il a tiré aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 23. Et enfin, dans Hébreux aussi. Et en conclusion, les conseils qu'il a donnés aux mariés aujourd'hui, ce n'est pas seulement à eux. Pour nous qui sommes déjà mariés, pour ceux qui souhaitent se marier aujourd'hui, et pour ceux qui se marieront, essayons un peu de parcourir ce chapitre-là, nous verrons que Dieu avait raison et le prédicateur a insisté sur l'union de notre sœur et de notre frère, que l'homme quittera la maison de ses parents, la femme quittera aussi la maison de ses parents, ils vont s'unir, pas devant n'importe qui, mais devant Dieu, le prédicateur l'a insisté, c'est devant Dieu et les témoins, nous nous sommes les témoins, et Dieu est avec eux. Et si nous reculons un peu, le prédicateur a dit, personne ne peut désunir ce que Dieu a uni. Donc nous n'avons pas le droit de désunir. Les parents n'ont pas le droit de désunir. Les amis, nous n'avons pas ce droit-là. Parce que nous, spirituellement, c'est Dieu qui vient unir. Et pourquoi nous, nous devons les désunir? Et il a tiré aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 23. Et enfin, dans Hébreux aussi. Et en conclusion, les conseils qu'il a donnés aux mariés aujourd'hui, ce n'est pas seulement à eux, à nous qui sommes déjà mariés, à eux qui se sont mariés aujourd'hui, et à ceux qui vont se marier dans les jours à venir. Et son message s'est basé sur l'amour mutuel, le respect mutuel, la patience. Je pense que je n'ai pas tout dit sur ce que le pasteur a détaillé, faute de temps. Et je pense que ce petit message, nous en avons profité pour nous tous, et c'est pour notre âme dans l'avenir. Voilà, frères et sœurs, à présent, nous entrons dans le vif de la partie sociale. La partie sociale dans l'église kimraniste, c'est la partie de communiquer et de salutation. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Maman Mathilde et Papa Gilvac, ils nous ont invités. Et Maman Mathilde, elle est choriste, elle est dirigeante de la chorale GPK. Ce n'est qu'une abréviation, le G signifie groupe, et le T théâtral, et le KI soit qui, Kimbanguis, donc GPK. Et c'est pour cela, chaque fois qu'il y a un choriste, un dirigeant qui se marie, que ce soit dans la chorale de GTQ, dirigeant ou Faki ou n'importe quelle chorale, eh bien, ce groupe-là honore son membre. C'est pour cela, pour, avant d'entrer dans les détails de communiqué et de salutation, je ne sais pas si le groupe de GTQ sont prêts, mais je pense qu'on m'a signalé qu'ils ne sont pas encore prêts. GTQ, oyez! Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Je vais continuer. Bon, je vois que... Et donc, s'ils sont prêts, ils vont passer à la décoration de leur dirigeant. Thank you.
favorable du GPQ, pour découvrir Maman Mathilde, étant dirigeante de la chorale du GPQ Liège. Boyokali kambona sepelaka, boyokali kambona
Ibangi seja la mina. Boyokani kambona sepela. Ibangi seja la mina. Boyokani kambona sepela. Ibangi seja la mina.
que nous venons de suivre, ils ont commencé par donner la petite biographie de Maman Mathilde en disant que c'est en 1995 qu'elle a intégré pardon, la chorale du GDI à partir du Congo RDC. Dans la chorale de Jébédi Makala. Makala, c'est une commune. Si nous nous rendons au Congo, eh bien, il y a ce qu'on appelle Jébédi Central, mais il y a des ramifications. Donc, dans chaque commune, il y a la Jébédi. C'est ça qui fait la grandeur de cette chorale aussi. Et donc, elle est venue ici en Europe, elle n'a pas abandonné. Elle est arrivée à Utrecht, et elle a continué à être membre de la chorale. Elle est venue à Liège, elle a continué, et c'est là qu'elle est devenue dirigeante. Et qu'est-ce que nous avons aussi vu? Ce petit groupe-là a chanté, hein? Et cette mélodie-là, je ne sais comment, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez senti, vous, hein? Mais cette mélodie divine, pour ceux qui ne le savent pas, toutes les cantiques que les guimbandistes chantent, ils ne les composent pas. Vous ne verrez jamais un guimbandiste en train de prendre la feuille et réfléchir quelle cantique. Non. C'est ça qui fait aussi la particularité de cette église guimbandiste. C'est-à-dire que nous avons dans l'église guimbandiste, à partir du Congo, toute l'Afrique et même ici en Hollande, il y a des guimbandistes qui ont ces dons-là. On les appelle les inspirés, c'est-à-dire qu'ils ont ces dons-là, ce n'est pas donné à tous. Ils ont ces dons-là de tarter, les anges chanter. Et donc toutes ces cantiques-là ont été captées. Ont été captées. Et le grand cantique que le groupe a chanté, c'est Dieu qui parle. Et c'est quel Dieu, Simon qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui parle, tu dois être la lumière du monde. C'est ce que moi j'aime, être la lumière du monde. Maintenant que vous êtes unis, vous allez avoir des enfants. C'est dans cette chanson-là. Vous allez avoir des enfants, et ces enfants-là, n'allez pas par quatre chemins, vous leur montrez les trois chemins de Dieu. Les trois chemins de Dieu pour, au final, avoir une vie spirituelle meilleure. Donc, ce qui est en bref, ce que vient de nous dévoiler le groupe théâtral de Dieu. Et donc, pendant qu'on se prépare pour venir aussi, puisque c'est un groupe théâtral, ils vont faire un petit théâtre. Nous allons le suivre. Et pendant ce temps-là, je demande soit à la chorale, soit à la famille de donner un petit morceau. Thank you.
Et qu'on a là,
Thank you.